Non, bah c'est bon. À toi. Je refuse. Non, ah. Non, mais c'est pas possible, vous vous dopez. Bah non, gros, on triche, c'est tout. Bah oui, le dopage, c'est de la triche. Il existe trois sortes de dopage. Ah oui, lesquels? Le dopage pharmacologique, c'est des médicaments trouvés en pharmacie. Les médicaments sont transformés pour le dopage. Par exemple, le PO est de base un médicament pour les personnes en manque de sang, mais il y a des personnes qui l'utilisent pour le dopage parce que le PO rajoute des globules rouges. Les cyclistes ont utilisé le PO et ils avaient 10 voire 20 secondes d'avance sur les autres. Donc le PO est un dopage pharmacologique. Ensuite, il y a le dopage technologique. Le dopage technologique est un dopage avec des moteurs, des maillots de bain peau de requin, des paires de chaussures de sport qui te font gagner 4% de course. Je vais prendre l'exemple du maillot de bain peau de requin. L'eau glisse sur le maillot de bain et les nageurs vont plus vite sous l'eau. Dès que le maillot de bain peau de requin est sorti, tous les records ont été battus et tout le monde ne pouvait pas l'acheter parce qu'il coûte très cher. Donc le maillot de bain peau de requin a été interdit et ça s'appelle le dopage technologique. Et tu disais qu'il y avait trois types de dopage? Le troisième, c'est le dopage génétique. Le dopage génétique est un concept qui consiste à modifier les gènes du sportif. L'implantation de gènes spécifiques permet ainsi d'augmenter le nombre de globules rouges ou la croissance musculaire. Cette technique n'est pas encore utilisée, mais elle pourrait amener les sportifs sur une pente encore plus dangereuse que le dopage pharmacologique habituel. Bah du coup, on n'est pas dopé en fait. Bah non. Du coup, on n'a pas triché.